Bonjour Martial Gaucher. Bonjour. Et merci d'accepter notre invitation pour un nouvel entretien avec Critique de la raison européenne. On vous avait déjà reçu en mars dernier avec Emmanuel Todd pour une conférence sur l'état de la société pendant les Gilets jaunes. Aujourd'hui, ça fait un an que la révolte des Gilets jaunes a éclaté au grand jour. Alors on pourrait évoquer de nombreux points, les réactions de Macron, les politiques qui ont été menées, mais j'aimerais vous poser une question simple et ouverte. Est-ce que vous pensez qu'on va vers une accalmie ou qu'au contraire, un grand brasier couve? Je ne fais pas dans le genre de la prophétie et je ne vends pas de pronostics. Mais je dirais, à vue raisonnable, mais la raison est souvent démentie dans les matières historiques, que je ne vois pas de grands brasiers et de grandes explosions en perspective. Pourquoi ? Parce que pour qu'une telle situation, disons néo-insurrectionnelle, se déclenche, il faut une perspective. Les gens ne se mobilisent, ils peuvent se révolter, ils peuvent manifester leur mécontentement, mais ils ne se mobilisent vraiment dans une manière collective à l'échelle d'une société que quand il y a la perspective d'un débouché politique qui leur paraît de nature à répondre à leurs aspirations. Et aujourd'hui, évidemment, il n'y a aucun débouché de ce type. Personne n'a de proposition à faire valoir. Prenons l'exemple, parce qu'il est vraiment l'actualité immédiate, de ce qui se prépare le 5 décembre contre, essentiellement, le projet de réforme des retraites. C'est un mouvement défensif. C'est un mouvement qui essaye de mettre en échec une réforme. Ce n'est pas un mouvement qui propose une autre manière de gérer les retraites. Donc, des mouvements défensifs de ce genre, il peut y en avoir beaucoup. D'ailleurs, au départ, les Gilets jaunes, c'est un mouvement défensif qui a tourné ensuite à un mouvement revendicatif. Mais là, on est dans une situation d'énorme mécontentement, mais sans débouché politique et sans débouché même réformiste, c'est-à-dire avec des propositions qu'on essaierait d'arracher. Pour moi, ce qui était très significatif au moment des Gilets jaunes, je me souviens de conversations avec des gens d'un rond-point que j'ai eu l'occasion de fréquenter toutes les semaines, parce que à la campagne, j'habite à côté. Et c'était des acharnés du RIC. On veut le RIC. Je dis, sur quelle question voulez-vous faire un référendum? Il y en a plein. Ben, oui, mais lesquels? C'est incapable de me dire. C'est très significatif. Oui, il y en a plein potentiellement, mais concrètement, il faut mettre un agenda en route. Et là, on est visiblement dans un tel moment de blocage de l'imagination politique et de la ressource politique. Donc le blocage après un an de Gilets jaunes, c'est cette incapacité de passer d'un registre défensif à un registre offensif, à une traduction politique, voire partisane. Oui, pas forcément partisane, parce qu'encore une fois, on pourrait avoir une série de revendications assez claires, le Front populaire, les congés payés, il y a toutes sortes de sujets sur lesquels on peut avoir une pression sur une question, une revendication précise, la durée du travail, etc. Non, là on est dans un flou général, d'ailleurs dans un énorme chaos de revendications très diverses, que personne ne sait organiser, mettre en route et diriger vers une perspective plausible, même de réforme à très courte vue. Et en même temps, les Gilets... Donc il ne faut pas se tromper. Le gouvernement garde l'initiative politique parce que lui, il est capable de définir un agenda. Alors que le mouvement social, même puissant, reste dans la protestation contre cet agenda. Donc Macron garde la main, mais en même temps, les Gilets jaunes, est-ce que ce n'était pas aussi lié à l'impasse partisane du fait d'élection de 2017 dans laquelle le bloc populaire, les classes populaires n'ont pas su trouver gain de cause, et donc ils sont sortis dans la rue. C'est-à-dire que beaucoup ont dit, en fait, les Gilets jaunes, c'est le vote populiste, mais dans la rue. C'est la tradition populiste qu'il aurait pu avoir dans d'autres pays, mais dans la rue. Donc on en est encore là, finalement. Oui, je crois que c'est pas une analyse fausse du tout, elle est partielle. Je crois que le mouvement des Gilets jaunes est à considérer plutôt comme une étape historique que comme un mouvement social classique.
et une étape historique dont l'enjeu très précis, de la part des très conscients chez les acteurs, était de rendre visible une situation escamotée sur la scène officielle. Il fallait faire apparaître en politique une France que finalement les gouvernants ne prennent absolument pas en compte. Et de ce point de vue-là, c'est une réussite. Ce n'est pas une réussite politique, ça n'a débouché, oui, ça a débouché sur des mesures non négligeables d'ailleurs, pour beaucoup de ceux qui en ont bénéficié, mais qui n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qui était demandé. Mais le principal n'était pas là. C'est quelle est la réalité de ce que vit cette France périphérique, populaire, et toute une partie du salariat dans les conditions actuelles qui leur sont faites. De ce point de vue-là, c'est un succès. Parce que le discours politique ne peut plus être le même. Et je pense qu'à long terme, vous savez, en politique, à long terme, c'est dans les 15 jours, donc le court terme, c'est l'heure qui suit. Donc, employons un vocabulaire plus raisonnable. À échéance assez proche, je pense que d'ores et déjà, on a l'effet de réajustement du discours politique. Personne ne peut plus parler sur la scène officielle comme avant. Et on le voit bien, même dans les rédactions des journaux, sans aller plus loin. Christophe Guéluy dit que les classes populaires sont sorties de l'invisibilisation. Oui, ils ont réussi, absolument. C'est la question sociale de 1800, des années 1840, hein, d'une certaine manière, mutatis mutandis. On est revenu au même point. On ne peut pas ignorer cette réalité, alors qu'elle était soigneusement mise sous le tapis par tous les discours publics. Et à commencer par le discours médiatique, mais accompagné évidemment par le discours des responsables. Et vous parlez justement, vous faites un parallèle avec 1840, et avec la réaction qu'en ont eu le monde d'en haut. Et je voudrais vous demander si vous ne trouvez pas qu'il y a plus largement un parallèle entre la période qu'on vit et cette période dont vous parlez, avec la révolte des ouvriers parisiens, etc., par rapport à ce que le monde d'en haut a ressenti. C'est-à-dire que beaucoup ont parlé de blocs, de partis blancs. Après les Gilets jaunes, l'électorat macroniste a muté vers... les bastions bourgeois, Neuilly, etc. Et on l'a vu dans les résultats aux européennes. Est-ce qu'il n'y a pas eu un effet symétrique? C'est-à-dire qu'en fait, les Gilets jaunes se sont montrés, et en face, le parti des classes supérieures, lui, s'est soudé derrière Emmanuel Macron. Est-ce que ça n'a pas aussi renforcé Emmanuel Macron? Est-ce que... Oui, il y a une part de vérité dans le constat que vous formulez. En même temps, n'exagérons pas la soudure du bloc en question. J'aime pas beaucoup le vocabulaire des blocs parce qu'il figure d'une espèce de béton social que j'ai rarement vu à l'œuvre. En réalité, je doute sincèrement que les vrais bourgeois, au sens où on peut à peu près caractériser ce milieu encore, se reconnaissent tellement dans Macron. Il leur paraît un type louche, pas clair. Avec des accointances fâcheuses quand même à gauche. Les vrais bourgeois ? Les vrais bourgeois, oui, je pense que... Mais faute de mieux, c'est le rempart. C'est leur champion. Ben voilà, oui, mais si on trouve mieux dans nos rangs, les vrais, on s'y substituera, on le remplacera volontiers. Non, je pense pas qu'ils aient... Jérôme Sainte-Marie a fait un livre qui est d'ailleurs très intéressant, mais je crois qu'il insiste trop sur la cohésion de ce qu'il appelle le bloc élitaire. Ce bloc est très fissuré, en réalité, y compris au plan des réponses tactiques à apporter à la menace qui le concerne. Il trouve Macron un peu aventuriste, un peu trop social-démocrate quand même, sur les bords. Il l'est au moins dans le verbe. D'accord. Un peu trop sociétal, un peu... Enfin, c'est quand même un ancien ministre de François Hollande, et ça... C'est un péché mortel qu'il faut beaucoup d'années pour éviter. C'est justement ça qui a été paradoxal, c'est de voir une droite, disons, de la vieille haute bourgeoisie tradie française, de Neuilly, de Boulogne, etc., qui est normalement attachée à un type de valeur catholique, traditionnaliste, etc., voter pour quelqu'un qui a quand même expliqué qu'il n'y avait pas de culture française, qu'il y avait un logiciel assez multiculturaliste, anglo-saxon, etc. Et... Mais ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié, vous pensez ? Non, je pense qu'ils n'ont pas oublié, et je crois qu'ils ne lui font pas vraiment confiance. Mais je pense que dans la situation, sur un sujet en plus névralgique,
à leurs yeux, mmh. y compris dans cette bourgeoisie tradie, c'est l'Europe. Mmh. Parce que l'Europe, la construction européenne, il ne faut pas l'oublier, a un fond démo-chrétien et mmh. catholique oui. Très important. Et pour une partie de l'électorat catholique, le plus traditionnel, l'Europe, c'est la garantie mmh. par l'extérieur contre le laïcisme qui se déteste à l'intérieur. Mmh. Pas oublier ça. D'accord. Donc là, tant que Macron est à fond pour l'Europe, tout va bien. Donc, il y a des points... C'est hiérarchiquement une, la cause D'accord. supérieure. Donc pour ces classes supérieures-là, il y a une hiérarchie, il y a une... Comment dire, il y a une entente sur des sujets primordiaux, mais on met quand même de côté les autres sujets, le fait qu'il y ait de la gauche, etc. Oui, je crois. Je le pense. Alors, mais simplement, ils constatent très bien, et c'est là où ça doit pas, il doit y avoir des écartèlements dans les consciences, que leur champion naturel, LR, Sarkozy et sa bande, sont d'une nullité telle qu'il n'y a rien à en attendre. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il faut bien des soldats pour se défendre. Alors Macron est en fait un candidat de substitution. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'on est re-rentré avec la période des Gilets jaunes dans une lutte des classes ou qu'on assiste simplement à un conflit de classes ? Non, je vais vous dire, j'ai toujours pensé que la lutte de classe n'avait pas disparu. Elle a simplement perdu le relief qu'elle devait à son organisation dans des puissantes formations, genre syndicat CGT ou parti communiste. Mais la lutte de classe, c'est un phénomène fondamentalement culturel. Et oui, c'est une. Parce que la sociologie néo-marxiste nous égare là-dessus, parce que c'est les positions objectives des gens dans le système de production qui déterminent. Pas du tout. Il y a une lutte des classes culturelles, c'est-à-dire à quel repère faites-vous appel pour agir ? Et je pense que de ce point de vue-là, depuis les années 80, et depuis en fait les années de la mondialisation, pour faire simple, la sécession populaire, culturellement, n'a cessé de s'affirmer et de s'affirmer belliqueusement. Il y a une lutte de classe culturelle. Là-dessus arrivent les réseaux sociaux, Facebook, etc., les moyens de communiquer. Et ça a pris une ampleur telle qu'aujourd'hui, on peut parler vraiment d'une séparation culturelle. Et puis d'autre part, la conflictualité ne se manifeste plus à un niveau global, et en particulier, elle n'a plus de débouchés politiques, mais à la base, elle est omniprésente. Mmh. Et elle n'a jamais cessé de l'être. Je ne peux pas m'empêcher de citer cette fameuse formule qui est la vôtre, de celle de la fracture sociale. Donc comment articuler le concept de fracture sociale et ce constat que vous avez fait il y a déjà presque une trentaine d'années, je crois. En 1990, exactement. Voilà, donc on n'en est pas loin. Avec la situation actuelle. Parce que quand vous parlez de fracture sociale, ce sont des pans de la société qui ne s'affrontent plus, qui ne veulent plus rentrer en lutte. Or, la fracture sociale, elle n'a pas muté avec les jeunes, c'est-à-dire on est rentré dans le conflit de classe. On est retourné à la fracture s'est étendue. Ce que je voulais dire sous cette expression, dont le destin ultérieur ne m'appartient pas. L'élection de Jacques Chirac. Voilà, apparemment, je suis coupable d'avoir contribué à l'élection d'un président qui ne répondait pas tout à fait à l'idée que je me faisais de la réduction de la fracture sociale. Okay. Mais bon, ça, c'est le risque qu'on prend dès qu'on s'exprime dans l'espace public. Qui est mort récemment d'ailleurs. Et oui. Mais il n'a pas enterré la fracture sociale, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce que je voulais dire justement, c'est que par rapport à une dynamique assez qu'on croyait tout à fait à tort naturelle, qui avait existé depuis la fin du 19e siècle, où il y avait eu une espèce de convergence du mouvement ouvrier, mais pas seulement, enfin, une agrégation aussi autour du mouvement ouvrier, dans une sorte de confrontation de blocs, justement, de blocs de classe, avec des alliances plus ou moins mouvantes. On était en train d'assister, sous l'effet de la mondialisation d'un côté et de la déperdition complète de l'idéal communiste,
de l'idée révolutionnaire à une fragmentation et à une dispersion qui faisait croire, et c'était le but polémique de ma formule à beaucoup, que tout ça c'était fini. Dieu merci, on était passé dans la phase heureuse d'une espèce de réconciliation générale autour de la démocratie, de la société de marché, de l'Europe, de la mondialisation. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'au contraire, ça a éclaté en lieux de conflits très divers, qui avaient aussi des enjeux très différents. Vous aviez, par exemple, ce qui donnait l'impression sociologique de cette lutte de classe comme vraiment des parties de la société qui s'affrontent, c'était des regroupements ouvriers. Vous aviez effectivement des blocs de population entière avec des votes unanimes, sinon unanimes, du moins très majoritaires, etc. Tout ça se délitait incontestablement, mais redescendait à d'autres niveaux parce que l'habitat était en train de changer totalement. On a vu vérifier avec les Gilets jaunes, justement, parce que les conditions de la production étaient devenues complètement autres, y compris dans ce qui restait localisé chez nous, et parce que toute une partie du salariat avait vu ses conditions de travail transformées avec des phénomènes qu'on n'étudie toujours pas assez à mon goût, comme la sous-traitance, comme tout le transfert vers les activités de maintenance, qui suppose un tout autre style de rapports sociaux. Mais c'était dans le même numéro du débat où j'avais fait ce constat, la fracture sociale, j'avais publié un autre petit texte qui s'appelait justement, si vous me permettez de me citer, « Le retour d'une oubliée, la lutte de classe ». Et voilà. Et les deux sont vrais. Il fallait tenir la fracture sociale, ou plus bon titre exact, c'est d'ailleurs « Les mauvaises surprises d'une oubliée ». Ça déconcertait beaucoup de gens à l'époque. Donc on en arrive à vos prophéties qui aujourd'hui nous amènent dans ce que vous décriviez tout à l'heure comme une impasse, la du macronisme. Jérôme Sainte-Marie ne parle plus comme Jean-Claude Michel, qui parlait d'alternance unique. Lui parle d'alternance impossible. Est-ce que vous croyez, il y a eu un sondage récent qui montre qu'au second tour de la présidentielle, Marine Le Pen ferait 45% et Macron 55%. Est-ce que vous croyez que cette alternance est vraiment possible et que le mur de ce qu'on appelle le plafond de verre existe, ou bien on peut aller vers quelque chose qui aujourd'hui du registre de l'inconnu? Les accidents existent aussi en matière électorale, il n'y a pas que les accidents industriels, donc tout est possible. Il suffit, quand on arrive dans un scénario de rapprochement comme celui qui est en train de se produire, phénomène qui me stupéfie d'ailleurs, qui révèle très bien la nature du vote pour Marine Le Pen comme vote d'opposition, parce que quand même, le fiasco qu'elle a essuyé au second tour de l'élection présidentielle, j'aurais tenté de penser, mais je savais prudemment qu'en politique rien n'est définitif, qu'on n'en entendrait plus beaucoup parler. Et pourtant, elle est de retour, les gens continuent. Et les gens continuent parce qu'ils ne votent pas pour elle, oui. Ils votent contre, au travers d'elle. C'est pas pareil. Donc, elle est l'opposition, parce que les autres oppositions n'existent pas. C'est-à-dire qu'au même titre que Macron a su réussir et être élu contre Le Pen, aujourd'hui, en jeu symétrique, elle grossit contre Macron, mais jusqu'où? C'est là où on ne le sait pas, parce que quand on est dans un seul scénario de convergence, je vous le disais, tout devient possible en fonction d'une conjoncture. On ne sait pas quelle sera la conjoncture de la prochaine élection présidentielle. Crise financière, crise sociale, désordre de nouveau des banlieues, que sais-je. Enfin, il y a 1000 scénarios possibles. Problème de délinquance qui, quand même, dans la France profonde, croît et embellit d'une manière assez inquiétante. Vous pouvez avoir une conjoncture qui fait une élection de Marine Le Pen. Ça me paraît plus de l'ordre de l'impossible, tellement la radicalisation de l'opposition au bloc élitaire de Jérôme Sainte-Marie est grande. Ça, alors là, c'est vraiment tout sauf quand on arrive s'ajouer contre
Marine Le Pen, tout sauf Marine Le Pen. Mais ça peut jouer contre Macron. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le barrage républicain, il faut avoir un barrage à Macron. Oui, c'est pas exclu. C'est pas du tout, ça n'est pas exclu, même si c'est peu probable. Parce qu'il y a un enseignement très important à tirer du livre de Jérôme Sainte-Marie, et c'est une dimension qui me frappe depuis longtemps. J'avais même essayé à une grande époque où je fréquentais ces institutions, de pousser le CEVIPOF, institution très respectable, à intégrer ce paramètre dans ses données pour l'explication de vote. C'est le poids croissant des retraités qui ont un intérêt spécifique. Les retraités, absolument. Les retraités ont des opinions politiques très diverses. Beaucoup sont de conditions très modestes, mais ils ont un intérêt spécifique. Que ça revienne, que la retraite tombe à la fin du mois. Ils sont très dépendants de la puissance publique. Et ils sont pour la stabilité. Ils ont une peur bleue des aventures. Et je suis prêt à penser, par exemple, dans un scénario où l'élection de Marine Le Pen serait de l'ordre du plausible, que des gens qui, depuis des années, votent pour Marine Le Pen en tant que retraités, qui ont tous les motifs de se plaindre à beaucoup d'égards, tout d'un coup se disent « Oula, quand même, on n'exagère pas. Qui c'est qui me paye dans 3 mois ?» La peur de l'aventure. Là, vous savez, il y a les doctrines conservatrices du 19e siècle qui cogitaient beaucoup autour des moyens d'assurer la stabilité de la société. Giscard d'Estaing était encore tout à fait dans ce scénario, et lui, il avait l'idée que c'était la propriété de la maison individuelle qui allait constituer le stabilisateur. Oui, c'est ça, le stabilisateur. Pourquoi ? Parce que quand on a des traites à payer, hein, et puis qu'on veut veiller sur son pavillon de banlieue tranquille, on n'a pas envie d'une aventure révolutionnaire. Donc, ben maintenant, c'est plus la propriété, c'est la retraite qui est le stabilisateur social. Et c'est un facteur énorme dans les comportements électoraux et une grande inconnue. Et d'ailleurs, on l'a vu, beaucoup de gens, par ailleurs très bons experts, me disaient, bien avant les élections européennes, à propos des gilets jaunes, puisque en partie dans les gilets jaunes, dans le départ, il y a eu le problème de l'indexation des retraites, et ça. Ils me disaient, Macron a touché aux retraités, il est mort. Non. Non, parce que, oui, ils sont pas contents, ils gueulent, ils vont manifester, ils défilent, mais, in fine, Macron nous paye à la fin du mois. Ah oui, c'est un élément très important à considérer. Et donc, dans tout ça, on en vient là. Donc, normalement, la droite conservatrice et mondialisatrice, qui est pour le dynamisme, etc., doit faciliter le vieillissement de la population. C'est son arme fatale en politique. C'est un peu paradoxe. Oui. Dans tout ça, là, on en vient à la stratégie d'Emmanuel Macron. Certains parlent de stratégie du chaos, faire monter Marine Le Pen, trianguler sur les idées d'immigration. Mais est-ce qu'il a besoin de faire monter Marine Le Pen ? Non, mais de se retrouver seul face à lui. Imaginons que Macron essaye de faire monter Benoît Hamon. Vous croyez qu'il y arriverait ? Non, mais c'est ça, c'est même pas lui qui l'a fait. C'est le qu'on en fasse, mais lui, triangule, comme on dit dans le vocabulaire de l'analyse politique, sur des thématiques qui ne sont pas les siennes. C'est-à-dire qu'il a parlé d'immigration, il a parlé d'identité, et il a plus récemment parlé dans un interview à The Economist du fait que la règle des 3% est dépassée, que l'OTAN était en état de mort cérébrale, et qu'on en était au bord du gouffre avec l'Union européenne. Qu'est-ce que vous inspire ces réflexions-là, qui demande quelqu'un qui n'a jamais défendu des thèses de cette nature ? Alors, le cas de Macron est compliqué parce qu'il y a chez lui un analyste lucide, je crois, pour le peu que j'en sais, et un homme politique assez cynique, c'est-à-dire au sens fort du mot. Il ne se sent pas lié par les analyses qu'il peut faire de la situation, mais par ce qu'il faut dire aux gens pour qu'ils votent pour vous. Mais il est capable de jouer des deux. Et habilement, d'ailleurs, de temps en temps, parce que chez Macron, il y a quand même une vraie passion.
qui est de montrer qu'il est plus intelligent que les autres. Et c'est vrai. Donc, tout va bien. Il a quand même une arme qui, de séduction, d'ailleurs. C'est le, disons les mots carrément, c'est le seul chef d'État présentable du monde occidental. Mettez les autres à côté, c'est effarant, on a le meilleur. On n'est pas content, mais on a le meilleur. Ben oui, ils sont pas brillants, il faut le dire. Ils ont une belle gueule. Mais Macron n'a pas qu'une belle gueule, mais en plus, il est plus malin. Parce qu'ils sont quand même effarants de conneries, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, je ne sais, il faut toujours savoir. Moi, je ne crois pas à la triangulation dans le cas précis, du tout. Je pense simplement, un, que Macron, il y a deux éléments à prendre en compte. Premièrement, il a un défi gilet jaune, qu'il a parfaitement percuté, qui est prendre en compte la réalité du pays telle qu'elle est. Or, il n'y a pas besoin d'être un grand expert en sondage d'opinion, en études à se pousser sur les mentalités populaires, pour voir que la question migratoire est au cœur des préoccupations françaises, à différents niveaux, sur différents aspects. Donc, il veut aussi montrer qu'il est un président au fait des réalités, parce que le pire reproche qu'on puisse adresser, et le plus délégitimant qu'on puisse adresser à un responsable politique, c'est de ne pas savoir ce qui se passe, a fortiori, même à l'échelle locale, mais a fortiori à l'échelle du pays qu'on est censé gouverner. Donc là, de ce point de vue, je crois que c'est sa préoccupation principale. Je ne suis pas dans son cerveau, parce que c'est à la mode d'entrer dans le cerveau. Mais oui, je crois qu'il y a cet élément-là. Et le deuxième élément, c'est que Macron a une vieille hantise de se montrer à la hauteur sur le plan régalien. Parce qu'il a un déficit considérable sur ce terrain, et un déficit que, il faut bien le dire, la répression du mouvement des Gilets jaunes a confirmé. Ils ne savent même pas commander la police. C'est les Bleus, c'est ajoutons-y, des éléments moyennement brillants, pour être gentils. Ils sont dépassés par une situation qui les déborde, et Macron veut aussi beaucoup montrer qu'il est à la hauteur de la fonction de chef d'État sur ce plan régalien, ce qui lui a fait faire de belles conneries. D'ailleurs, par exemple, éjecter le général de Villiers, avec lequel il était tout à fait fait pour s'entendre, à mon sens. Donc, il y a ça. Je ne crois pas à la triangulation, je ne crois pas à la grande tactique. Je crois, en plus, que Macron est assez tranquille sur sa réélection, en réalité. Les opposants ne se déclarent pas en 24 heures. Ceux qui sont dans la liste... Alors, raisonnablement, Marine Le Pen ne peut pas l'emporter, sous réserve de l'accident qu'on peut toujours envisager, et puis les circonstances peuvent changer. Donc, je crois qu'il raisonne plutôt dans l'optique de la construction de son image, au-dedans et au-dehors. Parce que Macron a des ambitions de leadership européen. Évidemment. C'est étrange. Non. Si vous voulez, c'est pas en faisant un interview à West France que vous allez toucher les Polonais ou Madame Merkel. Non, mais Pogo a fait une conférence de presse. Ah, mais oui, mais il faut avoir... Vous faites une conférence de presse. Aujourd'hui, la magie du rituel... C'est passablement éteint. Tout le monde s'en contrefou. C'est pas audible. Mais la une de The Economist, qui a dû... Ben, c'est-à-dire, dans un contexte mondial, il faut passer par des organes mondiaux. C'est quoi ? Il y a Al Jazeera, mais enfin, ça touche un public un peu particulier. Il y a CNN, mais là, c'est trop ésotérique. Mais The Economist, c'est le journal des élites mondiales. Ouais. C'est évident. Et je pense que, j'ignore évidemment tout de la manière dont ça s'est passé, mais ce n'était pas seulement de donner un interview à The Economist dont il s'agissait, c'était de faire la une de The Economist. Et là, c'est immédiatement répercuté dans le quart d'heure. Il n'y a pas un moment où le journal est sorti, que ça n'est déjà arrivé partout.
pas seulement d'ailleurs en Europe, mais à l'échelle, disons, au moins du monde occidental. Et précisément, Macron se construit au travers de ça une stature de leader international. Parce que ça, c'est ce qu'il a réussi à faire le mieux depuis qu'il est élu président. Il a, par rapport à François Hollande, qu'on avait presque honte d'envoyer à nos amis allemands, italiens, ne nous confondez pas avec cet Olibrius, on n'est pas comme ça. Macron présente bien et a réussi à se gagner une stature internationale qu'au travers de cet entretien, il confirme, parce qu'il devient le centre de la discussion politique du monde occidental. Parce qu'il y a l'Europe et il y a l'OTAN. Je pense que la chose qui a dû sidérer complètement l'establishment au-delà de simplement du berlaymont de la Commission européenne, c'est le diagnostic sur l'OTAN. Faut voir le poids effectif qui fait que finalement Sarkozy et Hollande sont passés sous la table et pour revenir dans l'OTAN. Mmh. Donc c'est énorme ce qu'il dit. Temps, c'est effet de manche. C'est-à-dire que... Effet de manche, pas seulement. Quand vous considérez la moitié de l'Europe, c'est-à-dire la moitié Est, d'après la chute du mur, les Polonais, les pays baltes, etc. Pour eux, l'OTAN, c'est la Vierge Marie. Ils en attendent le salut. Les Allemands, c'est différent. Ils y sont très attachés, bien entendu. Mais ils n'ont pas besoin de l'OTAN. Alors qu'aux yeux d'un Letton, d'un Polonais et de quelques autres, la présence, je veux dire, les Polonais font des pieds et des mains pour avoir des bases américaines sur leur sol. C'est une déclaration de guerre, presque, ce que dit Macron. La mort cérébrale en question étant pouvant être constatée très en avant. C'est-à-dire, en fait, depuis la chute du mur, où ils ne savent pas quoi faire. D'ailleurs, il était pour les 30 ans de la chute du mur. Ben oui. Mais ce qui est trop, justement, une fois de plus chez Macron, le désir de leadership l'emporte sur la cohérence de l'action et de la réflexion. C'est que son constat sur l'Europe est assez vrai. Il est assez sommaire dans cet entretien, comme c'est la loi d'un entretien d'être rapide. Mais en bonne logique, si on part de ce constat, on devrait se dire il faut changer tout ça d'urgence. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Sauf qu'il dit en même temps qu'on ne peut pas le changer en substance. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a quelque affaire à une construction qu'il faut absolument changer parce qu'elle est au bord du gouffre, ce qui n'est pas un mot léger, et dont on nous dit en même temps qu'on ne peut pas la changer. Qu'est-ce qu'on fait ? On aimerait une réponse un peu plus claire à cette question qui me semble démentir totalement. Autrement dit, si j'ai le souvenir de ce que Macron nous a promis dans ses grands discours de la Sorbonne, d'Athènes, etc. C'est ça qui est flagrant. C'est l'Europe souveraine, c'est le... Est-ce que par hasard, tu savais pas qu'on pouvait rien changer Alors, dans ce cas-là, c'est grave, parce qu'il fallait aller retourner à l'école avant de se présenter à l'élection présidentielle, et peut-être adopter un autre profil. Ça donne l'impression... Mais c'est habile. Donc c'est tout changé pour que rien ne change. Voilà. Entretenir un espèce de flou artistique, danser sur un brasier, c'est lui qui le contrôle, il ne se passe rien, mais qu'est-ce qu'il en gagne ? Reste au pouvoir. Ben oui, il est celui qui est... Et c'est, vous gère savez, le chaos. Et qui est capable de l'énoncer et de le comprendre, parce que apparemment ses partenaires ne sont même pas capables de faire l'analyse. Donc ça lui donne une... Vous savez, en politique, le premier qui dit la vérité sur un problème plus ou moins sous la table, il a un avantage énorme. Le discours a une force en politique qui ne se compare à aucune autre activité humaine. Mmh. Et de ce point de vue-là, il marque un point. Mais il montre que ce n'est pas l'action qui l'intéresse. C'est le pouvoir pour le pouvoir, d'une certaine façon, ce que vous disiez. Et c'est ce qui lui reste parce qu'il est excellent dans ce registre. On en arrive à l'état de la société française, qui
qui n'est pas précisément le fait et la responsabilité d'Emmanuel Macron, celle qui est traversée par les questions identitaires, celle du voile, qui sont, qu'on entend parler depuis maintenant 2 semaines, 1 mois, qui ont commencé, je dirais, à court terme depuis l'attentat de la préfecture de police, qui ont rebondi avec la stigmatisation d'une femme voilée dans un conseil régional par un LURN, et qui aujourd'hui éclate comme ça n'a jamais, ça n'a rarement éclaté depuis qu'en gros en 1989 avec l'affaire du voile de Creil, la question du voile est arrivée dans l'espace public. Alors là j'aimerais, bon, je peux pas vous demander une question trop simple tellement le sujet est une trop simple tellement le sujet est vaste, mais c'est quand même vous qui avez théorisé la question du désenchantement de... Et là, je vais vous citer, expliquer dans le... comprendre le malin français. On assiste en effet à un retour apparent du religieux à travers l'islam, qui connaît un renouveau plus identitaire, à mon sens, que proprement religieux. Mais gardons-nous bien d'une lecture unilinéaire. Deux dynamiques de sens contraires se télescopent et s'entrecroisent ici. L'une qui fait entrer l'islam dans la sortie de la religion occidentale, et l'autre qui le fait réagir plus ou moins violemment à cette absorption. Alors l'islam, en France plus particulièrement, quel rapport il entretient avec le désenchantement du monde que vous avez théorisé? Est-ce que c'est une réaction identitaire à laquelle on vit? Ou est-ce que c'est quelque chose de religieux avec des soubassements profonds? Alors, je voudrais commencer par une observation qui est capable d'éclairer le changement d'ambiance par rapport au point de départ de cette querelle, l'affaire de Creil, le voile à l'école, qui a été la question pendant longtemps. Là, c'est plus le voile à l'école, c'est le voile des mamans qui accompagnent les élèves dans les sorties scolaires. Mais l'énorme différence, c'est qu'entre le débat en 1989, je m'en souviens très bien, c'était un débat interne aux organisations politiques, et essentiellement à la gauche. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est l'organisation d'une nébuleuse d'associations, de regroupements de toute nature, qui se réclament de l'islam à des titres d'ailleurs totalement divers, et qui ont une présence extrêmement active dans le débat public. Il y a un nouveau protagoniste dans ce débat, et c'est ça qui l'enflamme en grande partie. Parce qu'on discutait entre partisans de la laïcité ouverte et partisans de la laïcité fermée, enfin, bon, littérature bien connue sur le sujet. Mais là, on discute avec des islamistes d'obédience extrêmement variée, dont des modérés et des radicaux. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et la chose très étonnante, c'est l'arrivée dans la discussion publique d'un mot qui est généralement employé pour être conjuré, mais qu'on convoque quand même, c'est la guerre civile. Mais la guerre civile, pourquoi? Parce que précisément, il y a des protagonistes actifs du côté de l'islam, dont on commence à percevoir en plus que ça ne relève pas simplement de réactions individuelles de croyants qui ne dérangeraient personne, parce que les opinions sont libres, mais on a affaire à des organisations. Quand on parle du salafisme, on voit les commanditaires derrière. Quand on parle des frères musulmans, on parle d'une organisation qui a une stratégie internationale. On n'a pas affaire à des enfants de cœur, mais à quelque chose de très concerté. On a affaire à l'action de gouvernements étrangers au travers de leur diaspora en France. Bon, donc c'est ça qui a modifié complètement le climat et qui aggrave le problème dans des proportions qui sont très préoccupantes pour beaucoup de gens. Il y a un climat d'inquiétude surtout autour de ça, au-delà des militants qui, eux, participent plutôt de l'inflammation de la discussion. Alors, sur le fond, l'islam, mais alors que je prends au sens d'un bloc civilisationnel très large, y compris les musulmans qui sont présents sur le territoire français, voit la contradiction interne qui le travaille depuis maintenant des décennies s'aggraver. Parce que d'un côté, même si on est un musulman militant, et sans prétention de subversion politique ou terroriste du tout, mais même à ce titre, il n'y a
qu'une méthode pour résister à la pression de la culture dominante qui est occidentale, que ça soit ici ou dans les pays d'origine. Donc il faut s'approprier ces outils. Donc il faut se désislamiser pour combattre au nom de l'islam. Eh oui. Et donc on entre dans la civilisation qu'on récuse pour la combattre. Ça donne des gens complètement déboussolés pour certains. Il faut bien voir ça. Des hybrides, des gens complètement disjonctés, hein, quelquefois. Ça m'arrive plus parce que précisément ce monde-là, c'est un peu fermé. Mais à une époque, je l'ai discuté à Saint-Denis avec des idées barbues conséquentes sur le désenchantement du monde. Ça se faisait. C'était un débat difficile, mais il avait lieu. C'est fini. Mais ces gens sont dans une contradiction grandissante. Et une autre contradiction, alors qui est beaucoup plus discrète, mais très forte, et qui concerne la majorité des musulmans. Ce que je crois en effet, et ça n'est pas vrai qu'en France, c'est vrai, ou en Occident, c'est vrai dans les pays d'origine. Tous les témoignages que je peux recueillir chez des gens très divers me le confirment. Ce n'est pas un mouvement pieux, l'islam d'aujourd'hui. Ça a existé, il y a eu des réveils de l'islam, comme il y a eu des réveils du catholicisme ou du protestantisme. C'est un mouvement identitaire. Mais qu'est-ce que c'est qu'une identité? Et surtout quand elle est sur le territoire français. C'est la volonté de faire reconnaître son identité particulière par le pays d'accueil. Autrement dit, c'est dire, on en est. Mais on n'en est pas. On se sépare et on affirme en même temps qu'on voudrait que sa séparation soit reconnue. C'est des impasses complètes qui expliquent la radicalisation. Parce que quand on est dans une contradiction, il n'y a qu'une manière d'en sortir, c'est de gueuler plus fort. Mais ça mène, et éventuellement d'agir aussi de façon un peu regrettable. Mais voilà, il faut prendre les choses comme elles sont. C'est des dominés, ils le sont, ça on peut l'accorder même à Edoui Plenel, vous voyez l'étendue de la concession, mais des dominés qui ne peuvent résister à leur domination qu'en s'emparant, qu'en s'intégrant d'une certaine manière. Et oui, voilà, d'où la confusion énorme et finalement l'absence, parce que c'est ça qui est frappant, on a énormément d'organisations revendicatives du côté de l'islam français et très peu de gens capables d'en parler d'une façon rationnelle et de construire un projet politique un peu viable. On a affaire à une protestation anomique, en fait. Et du côté des, on va dire, du camp républicain, du camp qui défend la laïcité, vient donc un rejet des questions, des inquiétudes même, par rapport à ce qu'est la laïcité. C'est-à-dire, aujourd'hui, on combat l'islam politique au nom de la laïcité, de la laïcité. Et vous expliquez, dans Comprendre le malheur français, que c'est peut-être notre modèle français à nous qui est touché, et vous allez même un peu plus loin que la laïcité, vous dites, le voile islamique est perçu comme le signe revendiqué et affiché d'un non-partage des femmes, d'un refus du métissage. Est-ce qu'il n'y a pas aussi notre modèle français à nous qui est touché par l'endogamie, islamiste en gros, et qui rentre en conflit avec la laïcité? Oui. Qu'est-ce qui chez nous est touché précisément par rapport à cet islam politique, en France plus qu'ailleurs? Parce qu'on voit que c'est en France que la laïcité est... Alors... Un, la laïcité est une très forte spécificité française. Deux, la France est le pays le plus politisé du monde. C'est le pays, et félicitons-nous-en et contribuons-y, on sait ce qu'on est en train de faire, où on discute de tout. Ouais. Même de toutes les choses qui ailleurs passent sous la table, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, on s'en fout. Mais ici, on s'en fout pas. Mais pas en Angleterre. Non, voilà, ou en Belgique, ouais. Où là, on peut faire absolument n'importe quoi dans la différence, mais générale. Des gouvernants, ils sont, je sais pas pourquoi ils sont instables, d'ailleurs parce que personne ne les conteste, mais ils arrivent quand même à ne pas réussir à défendre politique. Mais oui, bon, donc c'est pas tellement que les Français soient particulièrement impactés par l'islam, c'est que tout ce qui les impacte devient l'objet d'une querelle nationale. Et c'est très bien.
C'est la meilleure des thérapeutiques à quelques problèmes politiques que ce soit. Mais là, dans le cas, évidemment, l'islam, c'est une religion. Ce qui est en cause dans tout ça, c'est des questions presque de mots. L'islam est une religion, on ne peut pas le contester. Mais ce n'est pas qu'une religion. Et d'ailleurs, aucune religion n'est qu'une religion. Elle va de pair avec tout un ensemble culturel, civilisationnel. Et dans le cas de l'islam, de par les sociétés d'origine, la religion musulmane est associée non seulement à, comme on dit, à un statut de la femme, qui est assez banal, malheureusement, dans l'ensemble des civilisations, mais on est associée à des mœurs. Et, en conflit avec notre univers. Et à un système de parenté. Oui. À un idéal du mariage endogamique, à une organisation sociale sous-jacente dans la plupart des pays d'origine dont on ne parle jamais, mais qui est cruciale, c'est la tribu. Mmh. Ben oui, c'est, évidemment. Vous pouvez pas, on voyait la Libye, on n'aimait pas le système, mais on ne voyait pas que, en fait, c'est pas un État, c'est un ensemble de tribus qui se foutent sur la gueule de façon récurrente depuis la nuit des temps. Ça se transporte chez nous. Ça, donc, c'est tout cet ensemble de choses qu'il faut prendre en considération chacune à leur niveau. Et il y a en effet une forte confrontation de mœurs. Disons que la laïcité, c'est la face immergée de l'iceberg. Oui. Que derrière tout et ça, voilà. Il y a une question de... Et c'est pour ça. L'anthropologie, de rapport à l'universalité. Tout à fait. Il y a une... Justement, le piège de la laïcité, d'une certaine manière, c'est d'identifier la religion au christianisme finissant qu'on connaît au XIXe siècle. Mais c'est pas ça la religion ailleurs, c'est tout à fait. Et c'était pas ça le christianisme, ne serait-ce qu'un siècle avant. Donc, on ne peut pas se battre contre le modèle de parenté, de sexualité cultivé dans les terres arabo-musulmanes, parce qu'il y a des islams non arabes qui posent d'autres problèmes, hein, parce que le Pakistan, c'est encore autre chose, et c'est pas nécessairement plus simple, c'est lié à un autre contexte. Mais on peut pas combattre avec la laïcité quelque chose qui dépasse de beaucoup le cadre de la laïcité. Donc il faut... C'est là où c'est un piège, cette histoire. Donc la laïcité ne suffit pas? Non, elle ne suffit pas. C'est quand même tragique comme conclusion. Non, pourquoi? Ça veut dire qu'il faut... Il faut parler de France, alors. Il faut parler de... Oui, il faut parler franc. Il faut parler dignement. On n'est pas obligé d'insulter les gens, mais il faut aborder toutes les questions, les unes après les autres. L'assimilation, etc. Ben oui, bien sûr. Je crois qu'il faut... C'est pas par la laïcité... Parce que certains en restent à... Oui, la laïcité... C'est une incantation. Pourquoi pas? Mais c'est une anthropologie un peu trop sèche pour parler à des gens, pour les faire entrer dans un cadre collectif qui est celui de la France. Bien sûr. Bien sûr, y compris, mais à un niveau très simple, on parle de communautarisme. Mais ça, c'est une notion à nous. Quand ils disent « mais non, il n'y a pas de communauté », c'est vrai, il y a autre chose, qui est bien pire. C'est un système d'allégeance personnelle. Comme il existe, vous allez en Italie du Sud, hein, c'est toujours là, très solidement implanté, et ça pose des problèmes à la démocratie italienne, mais on a l'équivalent. C'est ça, donc, derrière les communautés, c'est pas des gens qui librement viennent s'agréger, c'est des gens qui reproduisent localement des allégeances qui peuvent venir de très loin et de très profond dans leur société d'origine. Et ça, c'est pas avec la laïcité qu'on y peut quelque chose. Ce qui fait que, par exemple, un maire d'une ville de banlieue bien organisée étudie la question, corrompt les quelques lascars, les grandes gueules qui lui paraissent optimales pour faire le boulot, repère les chefs de clan qu'il a en compte, et effectivement, il rafle toutes les voix que ces chefs de clan sont capables de lui amener. C'est comme ça que ça se passe. Et le mot même de clientélisme, pour nous, désigne... La plupart des 10 clients, ils ne vont rien recevoir du tout, mais ils suivent le chef qui lui reçoit. C'est autre chose. Et c'est ça qu'il faut apprendre à décrire. C'est au fond d'anthropologue, d'ethnologue de ce monde social qui vit.
qui répond, que nous avons très bien connu, mais qui se perpétue sur notre sol, qui se reproduit, qui se refabrique. Donc ce que l'anthropologue enseignerait à la France en crise identitaire et civilisationnelle en 2019, c'est de parler plus que de laïcité, de république et de modèle civilisationnel à opposer à un autre modèle civilisationnel. Tout à fait. Je pense que c'est ça le problème. C'est qu'il faut, il faut défendre la laïcité. Voilà. Ça, je crois que... Et en avoir une idée claire. Alors, parce que moi, ce qui me frappe énormément, c'est la confusion, même, sur ce mot, sur ce que ça recouvre exactement, etc. Quand, je pense à une bêtise que répercute, alors, comme une espèce de mantra, tous les médias, qui est une formule qui vient de je ne sais où, il y a eu diverses attributions, l'État est laïque, la société ne l'est pas. Mais comment la société ne l'est pas ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez par exemple dire, ah bon, dans l'islam, l'apostasie est exclue. Hein, on ne peut pas sortir de sa religion. Dans l'islam, on est musulman, parce que vous avez des parents musulmans. Et ça, alors c'est... Ça, c'est la société, on n'y touche pas. C'est ce que Natacha Polony faisait remarquer dans une observation récente. Elle disait que tant que les représentants musulmans n'auront pas reconnu le droit à l'apostasie, on ne va pas sortir de l'auberge. Mais non, parce que c'est une des clés de... C'est là où on voit que la société aussi doit être laïque. C'est-à-dire que la République, si elle a un sens, garantit la liberté de sortir de sa religion d'origine. Contrairement à ceux qui ont une vision trop réductrice de la laïcité, dire en gros c'est la séparation de l'Église et de l'État, loi 1905. Mmh. Alors que non, c'est un modèle... culturel, civilisationnel, mais... qui n'est pas écrit, voilà. Qui n'a pas de texte, mais qui doit se perpétuer. Eh ben, que nous devons expliciter, voilà. Parce que nous, on s'entendait tacitement entre laïcs et catholiques, ou protestants, ou juifs, ça, on s'entendait parce qu'on avait un discours commun, en fait. Sauf que l'important restait dans l'implicite. Maintenant, il faut mettre l'implicite sur la table, parce que nous sommes confrontés à une nouvelle religion, à un nouveau système, culturel, civilisationnel, qui nous oblige à élargir la démarcation. Et à lui imposer aussi des limites. Oui, bien sûr. Donc, si on veut finir cet entretien sur une note assez concrète, pour sortir de la crise que vit la laïcité actuellement, on ne peut pas ne pas en passer par une redéfinition globale. Comment ? Par des instances politiques, culturelles, religieuses, intellectuelles ? Ben c'est en principe la fonction des partis politiques. Dans le temps, c'était comme ça qu'on se disait, c'était leur boulot. Ça, c'est à l'État. C'est à l'État. Pas... Le ministre de l'Intérieur, mais il est ministre des cultes. Oui, oui. Ça n'a pas l'air de vouloir... La théologie du ministère des cultes a toujours été assez étroite. Il ne faut pas leur demander de grandes compétences en la matière. Mais c'est à l'État de verticalement... C'est l'État imposer. D'impôt impose, mais encore faut-il qu'on l'alimente, parce que l'État, il pense pas tout seul. Et en général, il pense pas beaucoup. C'est pas son boulot, d'ailleurs. Que c'est pas, on n'en attend pas des idées, heureusement. Donc, quand il en a... Les gens d'esprit doivent se mettre à une table et... Mais c'est ce que ça s'appelle fabriquer un programme politique. Eh ben, c'est une tâche... aujourd'hui, on sait comment on fait. Hein, on met 25 énarques qui font 4 commissions, ils touillent qu'est-ce qu'il y a dans les propositions, et puis on fait 100 propositions, 90, 125, peu importe. Mais c'est pas ça. C'est un programme politique, c'est une analyse de la situation, des questions brûlantes d'un pays, et des propositions sur la manière d'y répondre. Si... Et c'est aux partis politiques de porter ces idées en plus, parce qu'il faut les populariser. L'État ne va pas tout seul dans son coin élaborer une théorie de la laïcité pour l'appliquer. Ouais. C'est pas comme ça que ça se passe. Les dynamiques ne sont pas assez... Mais non. Donc il faut un effort de réflexion collectif qui peut aussi être le fait d'intellectuels qui apportent leur contribution sous forme de livres, d'articles, de ce qu'on veut. Un programme commun. Ben oui, bien sûr. Eh bien, c'est le programme commun aura été le tombeau des programmes politiques, parce qu'on n'a pas eu de plus depuis. C'est vrai. Programme commun pour 2022. Ben, merci. Le mot est un peu chargé, je pense qu'il faudrait qu'on trouve autre chose. On essaiera de trouver une périphrase. Ben, merci beaucoup, Marcel Gaucher. Mais merci à vous.